Pensez-y un peu. La vie que vous cherchez est basée sur des idées ou des images que vous avez vues d'une personne que vous ne verrez peut-être jamais de toute votre vie. Mais vous voulez ressembler à cette personne. Les gens sont sur Internet, se rajoutent pour se comparer. Ce n'est pas par amitié. Beaucoup de gens que vous connaissez là, vos amis de l'école, vos amis du quartier, la plupart vous suivent sur Internet pour comparer leur vie à votre vie. On a commencé au même niveau, où sont-ils maintenant par rapport à moi? C'est ça. Il faut se dire la vérité. Combien parmi ces personnes que vous avez sur Internet vous écrivez « Comment vas-tu? La vie te va bien? Et ton mari? Et la famille? Et ton projet? Qu'est-ce que tu penses ?» Combien? Combien? Je suis très en colère. Hier, je suis allé faire des courses. Il y avait dans la voiture des proches. Après avoir fait un stop autour d'un supermarché, j'ai vu une jeune dame. Une jeune dame propre qui vient autour de la voiture me parler. « Bonjour, monsieur. En français, s'il vous plaît. » En fait, je suis quelque part en Afrique. Dans un pays, un lieu, vous savez, malheureusement, on ne peut plus dire ouvertement où nous sommes. On ne peut plus citer les villes de peur qu'on ne soit victime d'un acharnement général à chaque fois qu'on parle de quelque chose. Alors, je ne veux pas que les gens viennent ici. Hey, toi, d'ailleurs, tout ça. On est muselé, quoi. On veut nous fermer la bouche. On ne peut plus rien dire. Parce que c'est un endroit que vous aimez. Ou un endroit que vous chérissez. Bref. La fille vient autour de la voiture me dire « Bonjour monsieur, comment ça va ?»« Mon nom est Patricia, je crois. C'est vraiment une honte pour moi, venir vers vous comme ça. » J'étais un peu surpris, quoi. Elle parlait très bien français. Bon, vous savez, en Afrique, quand on parle bien français, on a l'impression qu'on est intelligent ou qu'on est de la classe. Il faudrait bien le dire, vous le savez. Alors, elle me dit « Je suis en difficulté. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai une petite fille et... toutes les personnes vers qui je vais veulent une seule chose. En contrepartie, l'aide qu'ils pourraient m'offrir. Et je suis une femme de valeur. Il y a des choses que je ne pourrais pas permettre. En tout cas, c'est bien exprimé avec les émotions possibles. Condensé de sentiments et de drames. Moi, je me suis retourné pour chercher un peu d'argent. Oubliant que j'avais des dollars dans la poche de derrière. J'étais dehors, la voiture. Quand je me suis retourné pour chercher dans mon sac... J'ai tiré 100 dollars. C'était une femme qui apparemment était en difficulté, qui avait urgentement besoin d'aide, qui était maman, qui était clairement ou prétendument abusée par toutes ces personnes auprès desquelles elle se présentait voulant un peu d'aide. Alors je voulais faire la différence. J'ai tiré un 100 dollars pour donner à cette dame. Elle me dit merci. Elle s'en alla. Quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte que j'avais de l'argent en poche, dans la poche de derrière. Et j'ai regardé. Il y en avait encore. Mais il manquait 10 dollars. Je sais que le 10 dollars était en train de monter. Et je sais que j'ai senti quelque chose me toucher derrière, au moment où je me retournais pour tirer de l'argent. Elle a pris les 10 dollars. Et ça m'a fait très mal. Au fait, les 10 dollars m'ont fait plus mal que les 100 dollars que je lui ai offert. Je me suis senti trahi. Waouh. Et puis après, on me dira, cette femme, waouh, on la connaît, celle-là. Elle fait ça à beaucoup de personnes. Je ne m'étais donc pas trompé. Bref, comment allez-vous? J'espère que ça va. Vous savez, la vie a beaucoup changé avec le temps. La vie a tellement changé. On était tellement bien. Moi, je me dis, avant Internet, je me souviens, on vivait tellement dans des communautés où il y avait la paix. Les gens vivaient en amitié, en correspondance. On se réunissait autour de la maison d'un de nos amis, par exemple, hein, devant leur maison ou derrière. Et on discutait, chacun avec des histoires à raconter. Hey, tu sais, moi j'ai fait ça, d'ailleurs, tout ça. Quand on était jeunes, à l'époque, je sais que beaucoup ne se retrouvent. Beaucoup, malheureusement, ne se retrouvent pas, surtout les enfants des années 2000. Hein. Il y en a ici, même les enfants des années 90 aussi, beaucoup parmi eux, ne se retrouvent peut-être pas. Mais c'était génial à l'époque. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, les gens étaient toujours à temps. Les gens venaient toujours à temps, les gens étaient toujours ponctuels. C'est-à-dire, quand on faisait rendez-vous autour de quelque chose, qu'on se disait, bon, on va se rencontrer autour du... On va se rencontrer derrière l'école telle ou autour du manguier à 14h. Vous pouvez être certain qu'à 14h, les gens seront là. Si vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, on va se trouver autour du terrain à 16h. Vous êtes certain qu'à 16h, cette personne viendra. Même les rendez-vous amoureux. Hein, les rendez-vous amoureux, c'était, bon, on se retrouve à 17h chez les Francis ou chez les Patrick. Vous pouvez être certain qu'à 17h, elle sera là. Vous trouverez votre dulciné là. Il n'y avait donc pas de moyen alternatif de pouvoir s'excuser ou pour dire « écoute, je ne viendrai pas ». Et les gens ne pouvaient malheureusement pas, ou heureusement pas,
changer de programme à la dernière minute parce qu'il n'y avait pas de WhatsApp pour dire bon, je ne pourrais pas venir, oh, excusez-moi. Et les gens venaient à temps parce qu'on ne pouvait pas faire attendre les gens. On ne pouvait pas s'excuser, excusez-moi, par téléphone. Ah, je suis au coin, j'arrive. En tout cas, c'était inexistant. La vie a beaucoup changé. Quand on vivait à l'époque comme ça, je réalise où on apprenait facilement comment faire des correspondances, comment discuter avec ses proches, comment faire des amitiés, comment faire du réseautage. Le réseautage, c'est « Bonjour, comment ça va? Mon nom est Isaac. Ah, je m'appelle Patrick, enchanté, et toi, tout ça. » C'était génial. Quand il n'y avait pas Internet, dans les arrêts de bus, par exemple, les gens parlaient. « Hey, ma fille, comment tu vas? Tu vas où? Comment tu grossis? Hey, bonjour, maman. Hey, » Les gens discutaient. Aujourd'hui, c'est inexistant. Chacun assis dans son coin en train d'appuyer son téléphone. Vous vivez avec des gens, mais il y a des murs entre vous. Des gens sont juste là, à un mètre de vous. Mais vous êtes plus inquiet sur ce qui se passe ailleurs, à des milliers de kilomètres de vous. Aujourd'hui, avec Internet, on s'assoit avec nos amis, nos parents, nos frères, autour d'une table. Personne ne parle à personne. Vous invitez, hey, on se rencontre les amis à 16h ou à 19h, chez Chantal. On va manger. Vous allez chez Chantal manger, mais chacun a son téléphone en main. C'est une maladie. Internet a créé une génération d'hommes incomplets, et des femmes aussi d'ailleurs, des gens incapables de résoudre leurs problèmes comme des humains. Aujourd'hui, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On écrit des statuts visés. Ah, il y a des gens ici, il faut les séparer, il faut les mettre à côté. Ah, il y a des gens s'ils font ça, il ne faut pas les regarder, il ne faut plus regarder en arrière. Il faut leur accorder le silence, tout ça. Des statuts visés. Il faut avoir le courage de parler aux gens. Comme à l'époque. Si tu as un problème avec quelqu'un, il ne faut pas aller écrire ça sur Internet. Si tu as un problème avec quelqu'un, il faut avoir le courage d'un homme. Si vous avez un ego, vous devez avoir un ego assez grand pour avoir le courage de confronter la personne. Dites, écoute, il paraît que tu as fait ça, 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 ça. Est-ce vrai ou pas? Pas, il y a des gens ici, vous ne pouvez pas faire confiance au je sais quoi, ça. Une génération d'hommes efféminés, je dois le dire. Excusez-moi, je suis de la vieille école. Et les vrais Africains comprennent. Donc les féministes, là, passez votre chemin. Ce n'est pas ici qu'il faut être. Un homme, c'est un homme. Le comportement d'un homme reflète un héros, un vaillant, une brave personne, capable de gérer ses émotions et ses problèmes comme un homme. Et là, je parle en africain. À l'époque, quand on avait des problèmes, on se parlait. Mon cher, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je suis blessé par ce que tu as fait. Cette réaction de ta part, franchement, ne reflète en rien ce que tu es ou l'apparence que tu donnes. On ne va pas raconter aux gens ou écrire sur Internet « Hey, moi, des gens, je les coupe, je bloque. » Je bloque, c'est quoi? Bloquer, c'est quoi? Internet nous a apporté beaucoup de choses positives. Il ne faut pas le nier. On peut communiquer. Vous pouvez me voir aujourd'hui. Beaucoup ne me connaissaient pas. Vous me connaissez. Beaucoup m'apprécient, m'attendent jusqu'à 2h du matin. En tout cas, mes vidéos. Beaucoup ont mes photos dans leur téléphone par appréciation. Nous apprenons tous et c'est grâce à Internet. Mais Internet ne devrait pas être la raison pour laquelle nous existons. Aujourd'hui, un enfant à la maison, pendant que son père revient, est trop occupé à jouer à un jeu sur Internet. Pendant qu'à l'époque, quand notre papa rentrait, c'est papa, 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 papa. Moi, je me disais d'ailleurs, enfin, c'était comme la Coupe du Monde, quoi. Moi, je me disais, je veux faire 11 enfants. 11 petits, comme ça, à chaque fois que je rentrerai à la maison, dans toute une équipe de football, comme ça, quand je rentrerai à la maison, tous les enfants sont en train de sauter sur moi. Papa, 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 en train de tirer ma jambe. Papa, c'est... Bon, on va y arriver. 11 enfants avec une seule maman. Mais aujourd'hui, c'est différent. Internet a créé une génération d'hommes narcissiques. Instagram, les gens ne font que comparer leur vie à la vie des autres. Pourquoi? Les gens font des efforts, non pas pour améliorer leur vie pour leur propre bien ou pour leur famille, mais les gens font des efforts pour paraître plus grands sur Internet. Il y a quelqu'un qui me disait, ah, toi tu ne publies pas, hein. Je sais que tu voyages en business class, mais tu ne publies pas ces histoires. Je sais que tu fais des trucs, tu as des voitures, tu as des voitures chères, mais pourquoi tu ne publies pas? Tu as une Bentley, mais tu ne la mets pas en ligne. Mais mon cher, une Bentley ou pas, c'est la mienne. Ce n'est pas pour le monde. Si je la mets, c'est peut-être pas ça par hasard. Je prenais une photo et puis comme par hasard, elle était là où je ne sais pas. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Beaucoup de gens sont malades. Une étude suédoise vient de démontrer que la génération actuelle, en tout cas la génération Internet Generation, souffre de beaucoup de conditions psychologiques. On se sent inadéquat parce qu'on regarde les photos des autres. Ah, sa vie est parfaite. Oh là là, son mari, elle est bien traitée. Mais vous ne connaissez pas leur réalité.
Ça, ce sont des photos filtrées, bien travaillées. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans leur maison. Tout le monde veut donner une apparence d'une vie parfaite et accomplie. Regardez, il y avait moins de stress à l'époque. Parce que vous n'aviez pas de vue d'aperçu dans le salon de votre compagnon, de votre ami, votre collègue. Vous ne saviez pas qu'est-ce qu'elle a fait comme voyage, c'était sa vie privée. Et les gens étaient contents de ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, les gens sont devenus malhonnêtes par envie. On veut devenir comme les meilleurs ou ceux qui paraissent comme les meilleurs. Ah, et tout se vient, toutes ces personnes qui viennent, ah, il faut avoir de l'argent. La vie, ce n'est pas seulement l'argent. Il faut être heureux dans la vie. C'est heureux qu'il faut être, ce n'est pas avoir de l'argent. Et certains vous diront, l'argent vous rend heureux. Non, ce n'est pas vrai. L'argent ne peut pas rendre heureux une personne qui souffre de cancer ou d'une maladie interminable. Être heureux, c'est avoir à manger, avoir de quoi subvenir à ses besoins, avoir une maison, n'est pas noyé sous la pluie, avoir un compagnon, une compagne qui sera toujours là. C'est ça, être heureux. Demander à ceux qui n'ont pas d'avion mais qui sont heureux, il y en a plein, beaucoup. On nous a menti, on a acheté l'idée selon laquelle il faut avoir des maisons. C'est faux, ce n'est pas vrai. Nous, on n'était pas riches, mais on était heureux. Heureux, on était. On pense être heureux en étant égal à ces personnes que nous voyons sur Internet. C'est toujours ces personnes qu'on voit sur Internet. Beaucoup de personnes, en fait, vous connaissez beaucoup plus de personnes sur Internet que vous en connaissez en réalité. Vous vous rendez compte? Vous connaissez beaucoup plus de personnes riches sur Internet que vous en connaissez en réalité. Donc la vie que vous voulez là est une vie basée sur une imagination ou sur un truc sur Internet qui n'est même pas confirmé. Pensez-y un peu. La vie que vous cherchez est basée sur des idées ou des images que vous avez vues d'une personne que vous ne verrez peut-être jamais de toute votre vie. Mais vous voulez ressembler à cette personne. Ah, il y a la fille là, l'ivoirienne, elle paraît toujours comme ça. Elle est toujours propre, elle a ouvert une boutique. Ah, il y a la fille là, la camerounaise, elle aime beaucoup les hommes. Elle a fait ça. C'est quelle vie ça? Pourquoi chacun ne se concentre pas sur sa propre vie? Aboutir à ses propres objectifs de vie, sans la comparer aux objectifs des autres. Les gens sont sur Internet, se rajoutent pour se comparer. Ce n'est pas par amitié. Beaucoup de gens que vous connaissez là, vos amis de l'école, vos amis du quartier, la plupart vous suivent sur Internet pour comparer leur vie à votre vie. Ah, on a commencé au même niveau, où sont-ils maintenant par rapport à moi? C'est ça, il faut se dire la vérité. Combien parmi ces personnes que vous avez sur Internet vous écrivent, ah, comment vas-tu, la vie te va bien, et ton mari, et la famille, et ton projet, qu'est-ce que tu penses? Combien? La plupart seuls sont là, ah ok, j'ai vu la photo, La vie était meilleure, pour moi en tout cas, quand il n'y avait pas toutes ces histoires. On connaissait les anniversaires de nos amis, on n'avait pas besoin de Google ou de Hotmail ou de Facebook pour recevoir ce rappel qu'un ami fêtait son anniversaire dans 2 jours. On connaissait les anniversaires à la tête, par cœur. On sait qu'ah, c'est l'anniversaire de Juna, oh, de Julak, oh, de Patrick, de tel. Parce que c'était réel, c'était vrai, c'était véritable. Aujourd'hui, ah, mon ami là, il a réussi dans la vie, c'est quoi ça? L'histoire de réussir dans la vie, c'est très récent, j'ai réussi dans la vie. C'était un mécanisme capitaliste d'embrouiller les Noirs, la globalité. Les gens pensent qu'il faut se battre pour être au-dessus et être mieux que... Non, il faut être heureux. Est-ce que vous aimez votre travail? Commençons par là. Votre boulot, votre activité de chaque jour, vous aimez ça? Il faut commencer par aimer ça. Vous aimez votre femme? Êtes-vous marié à la personne qu'il vous faut? Êtes-vous heureux dans votre foyer? Regardez, ce n'est pas l'argent qui vous rendra heureux. Est-ce que vous êtes heureux dans votre foyer? Vous êtes-vous marié pour les bonnes raisons? Parce que vous aimez cette personne, parce que vous désiriez avoir une vie stable, un avenir, construire un monde ensemble. Ou c'est parce que vous avez été contraint de le faire, pour des raisons peut-être financières, ou des raisons familiales. Choisissez d'être heureux. Vous n'avez pas besoin d'une maison de 7 chambres pour être heureux, c'est faux. Même dans un studio, si vos cœurs s'accordent, tout est bon. Vous serez heureux. Avant Internet, les gens se parlaient. Quand ils avaient des difficultés, ils se réunissaient pour trouver une solution. Ils s'asseyaient autour d'une table, autour d'un plat, pour discuter sur leurs différends et trouver des solutions. Ça me manque ce moment qu'on passait à l'époque jeune. On montait sur des arbres, on jouait au football dans le terrain, dans nos terrains crasseux du quartier. On se réunissait, on discutait. Tout le monde connaissait chacun. Tout le monde connaissait tout le monde. Aujourd'hui, c'est la comparaison qui règne. Qui met plus d'or, qui s'habille bien, qui a un beau mari. Qui est dans une grosse voiture, qui fait des voyages réguliers. Et il faut le publier. Il faut publier ce voyage, sinon on a l'impression que le voyage n'a pas eu lieu. Si on a fait des nuits dans une suite présidentielle et qu'on n'ait pas pris des photos pour Instagram, on a l'impression d'avoir jeté l'argent dans l'eau. Qu'on a bu du champagne et qu'on n'ait pas pris des photos pour mettre sur Instagram, on a l'impression qu'on a dépensé, on a perdu, gaspillé l'argent du champagne. Vivez pour vous.